Une sortie de secours serait optimale. Osman pense que l'intello veut trouver une porte. Mais où est l'ouverture transdimensionnelle qui nous permettra de partir, Stoolinger? Oui, ça vient, ça vient. Ouais, bah mind-toi parce que eux aussi. Allez, allez. Dis au revoir. Il les dirige, c'est pour ça qu'ils paraissent plus malins, ils le protègent. Alors, Osman va leur donner une raison de le protéger. Ton ami devrait ouvrir la porte maintenant. Non, mon ami ne répond pas à mes appels. Peut-être que si nous leur donnons cet élément... T'es malade? On peut pas raisonner avec des zombies. On ne peut pas raisonner avec vous non plus. Pourtant, je continue d'essayer. Il va nous sauver. C'est pas comme ça que je meurs. Je suis utile, il a besoin de moi. Enfin! Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, c'est bien mieux. Tu pourras baver devant ces gadgets plus tard, Marlton. Là, c'est le moment de courir. Misty, je... Pourquoi tu le gardes ouvert? Tu veux que les zombies nous suivent? Faut qu'on trouve un endroit sûr. Oh ouais, c'est un truc qu'on trouve tout le temps. Osman ne peut pas en tuer autant. Pas ici. Tu m'expliques pourquoi on devrait t'écouter? Est-ce que ton système de communication surnaturel t'a donné d'autres instructions? Non. Alors, c'est par ici. De l'aide serait génial. Osman commence à penser que la voix magique de Stoolinger veut qu'il nous suive. Je pense que je peux... Non. Tu allais dire que tu penses pouvoir activer un truc pour les arrêter, hein? Je... Eh ben la dernière fois que tu as essayé ça, on s'est retrouvé avec des zombies et ces choses. Je pense qu'il est très peu probable que ça... Bienvenue à la base 0, veuillez indiquer votre code d'accès. Et maintenant on a des fantômes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des fantômes allemands? Pourquoi ça parle comme ça? Ce n'est pas un fantôme, idiot. C'est une sorte d'interface holographique pour le système qui contrôle ce labo. Je présume qu'il s'est basé sur un humain spécifique, d'où le terme féminin teutonique. Veuillez indiquer votre code d'accès. Fascinant. Qu'est-ce que t'as fait, crétin de geek? Accès refusé. Accès refusé. Contre-mesure activée. C'est pas bon. Je te l'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Cette situation est bien en main. Je pense que nos conditions seront améliorées. Et en quoi exactement? Observe. Oh ouais. Regarde. D'accord. T'as peut-être bien fait, Marlton. Ouais, c'est super, mais on est un peu coincés, là. Maintenant, nous avons du temps. Je peux faire ce que je veux à ce système. T'as pas besoin de faire ça. Je veux le faire, et puis... Je teste une théorie. C'est lui, il le protège, c'est le chef. Les sacs à viande n'ont pas de chef. Mais... Ils sont stupides. Celui-là ne l'est pas, alors... Arme détectée, activation des contre-mesures. Oh merde. Marlton, on a un problème. Oui, je peux voir ça. Vous n'êtes pas autorisé. Je le serai. Non. 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 Oh, putain, ça ne s'ouvre pas. Il y a une issue. Il y a toujours une issue. Marlton. Ah, putain. Il y a toujours un moyen. Ah. Marlton! Bien joué. Tu vois? Je te l'avais dit. Bon travail pour la porte. Tu peux passer? Je le pense. Je peux désactiver l'une des... grilles. Allez, allez, allez! Marlton! Intelligence complètement activée. N'écoute pas l'ordinateur, fais juste... Merde! Que croyez-vous faire exactement? Vous savez que si vous n'aviez pas désactivé la contre-mesure énergétique, ces réanimés ne vous poursuivraient pas.
Ça ne m'aide pas! Oh, je suis vraiment désolé. Pensez-vous que j'étais en train d'aider des intrus? Tu as la moindre idée d'où on va? Loin. Très loin. Très bien! J'en ai assez de courir! Attention, votre rythme cardiaque est dangereusement élevé. Oh, mon cher, j'espère que les réanimés ne vous trouveront pas dans cet état. Il faut que je trouve... Ce serait une vraie honte si quelqu'un devait les guider vers les intrus. Osman... Est-ce que Osman voit des flèches? Super, Léa guide les zombies sur nous. Putain, fermé! Normalement, je suis pas du genre à gaspiller les munitions, mais vaut mieux survivre grâce à la puissance de feu. Ou continuer à vivre, en tout cas. Allons-y! Eh ben, bordel... Merde! Non! Je te tiens... Mais qui me tient à moi, bordel? Altération du support de vie. Stupide IA! C'est loin d'être idéal! Bonne chance avec le gaz chlorhydrique. Merde! 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 Oui, c'est bien ce que je présumais. Tu ne peux pas laisser du gaz chlorhydrique corroder ton système, n'est-ce pas? Je suis un programme raisonnable, je suis certaine que nous pouvons en discuter. Oui, tu pourrais me distraire pendant que tu commandes d'autres systèmes pour t'occuper de moi, ou... Mais comment? Tu peux être si lourd? C'est l'apocalypse! Rossman peut toujours trouver de bons repas, contrairement à certains. Je vois pas de quoi tu parles. Ne me fais pas te lâcher. Ça me paraît pas terrible. Merde! Ça va pas les arrêter, hein? Rossman a perdu son meilleur flingue. Vous devez sortir de cette salle. Allez, à gauche, encore à gauche, puis à droite. Et je me dépêcherai si j'étais vous. Je pense que les mesures de sécurité vont redémarrer sous peu. Pardon ! Oh, t'es vivant. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fantôme allemand bizarre et scintillant ? C'était pas... Tu sais quoi ? Oh, oublie. C'était un fantôme. Nous avons eu une discussion calme et rationnelle. Avec une hache. Donc, où allons... Il va falloir casser cette vitre. La porte va pas les retenir très longtemps. Je pense que c'est ce pourquoi nous sommes ici, quel que soit ce dispositif. Tu ne sais pas ce que c'est? Tu devrais essayer de parler à un ordinateur qui a une lobotomie pour H. Oui, oui. Mon ami dit que c'est notre objectif. Qu'on est là pour activer ça. Comme je disais, cet appareil semble avoir été conçu pour l'élément que nous avons trouvé. Et semble nécessiter 4 humains vivants pour s'activer. Ce qui n'est, selon moi, pas une coïncidence. Oh, il a quelque chose à dire maintenant. Bon, quoi qu'on fasse, on faut faire vite. Chacun d'entre nous doit prendre place à l'une de ces stations. Qu'est-ce que c'est que cette... Mon ami dit que c'est ce qui est censé se passer. Le sang est ce qui permet à ce truc de savoir qu'on est humain et pas l'un d'eux. Et maintenant? Je pense... que nous sommes sur le point de le découvrir. Bordel, est-ce qu'on vient juste de réparer le monde ?